est-ce que tu peux te présenter? Alors, mon prénom est Ibtissem, j'ai 33 ans, mariée, deux enfants. Voilà, donc je suis chargée de la planification. Est-ce que tu peux un peu raconter ton job? Alors, là, moi, je m'occupe de la planification pour tous les prestations du 67. Je m'occupe des plannings des techniciens et des ingénieurs de Strasbourg. Et si tu devais définir ton job en un mot, qu'est-ce que tu dirais? Mon job en un mot, trippant. Pour toi, OCI, c'est... OCI, c'est plein de choses, c'est une ouverture d'esprit, c'est de l'écoute, il n'y a pas de mauvaise idée. Et pour moi, c'est toujours agréable de venir travailler, je sens même pas la charge de travail en fait. Je vais rejoindre des personnes avec qui je m'entends bien et je trouve que c'est une chance. Qu'est-ce que tu kiffes dans ton job? Gérer les techniciens. J'aime bien, je gère leur quotidien, j'aime la relation que j'ai avec eux, elle est particulière, je trouve qu'elle est singulière. Ça se passe bien, ça matche bien. Une petite anecdote avec un client, comment ça se passe la relation avec les clients? À chaque fois que j'envoie un mail à un client, il pense que je suis un monsieur, donc à chaque fois il me répond bonjour monsieur, il a dit non, je ne suis pas un monsieur, je suis une dame. Je suis désolée, même si j'ai beau m'être chargée de planification avec le et le e, je peux pas le mettre en gras, mais je suis une fille, voilà. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de particulier? Mais il y a une bonne entente, on s'entend très bien, on est à l'écoute, on a vraiment une très très bonne ambiance. Et je trouve que ça fait beaucoup. Et comment t'as fait pour arriver au poste? Alors j'ai postulé, j'ai été prise, j'ai eu de la chance. Et du coup j'ai été beaucoup soutenue au sein de l'équipe, au sein du groupe. Et moi j'y croyais. Et le fait est que mes collègues aussi croyaient en moi, ça m'a donné plus de force. Et après voilà, je le voulais ce poste, donc j'étais motivée. Et voilà, avec du travail et du soutien, généralement ça marche. C'est quoi là, vraiment l'élément différenciateur d'OCI qui fait que tu restes? L'ouverture d'esprit, la confiance et l'écoute.